Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Crocs encore. Alors, peut-être vous avez vu la vidéo, alors du coup, c'est là, pour vous, c'est hier. Vous avez vu la vidéo d'hier avec les Crocs, bon, belle, pas belle, sabots, pas de sabots, Team Crocs, pas Team Crocs, voilà. Encore une fois, alors, en fait, une fois que j'ai fait mon achat, AliExpress m'a dit, ah, on a des codes promo, vous pouvez acheter, puis ils m'en ont suggéré d'autres. Et je tombais sur un autre vendeur, et là, par contre, vous allez vraiment pouvoir les payer moins cher. Et là, c'est juste déroutant. Bon, une vidéo ni sponsorisée ni rien, hein, c'est pour lui que j'ai acheté. Alors, moi, en Asie, je les ai payés 7 balles. Ok, encore une fois, 7 balles, TTC, puisque l'Asie, truc. Puis nous, on a les versions asiatiques, ça veut dire qu'au niveau du packaging, on voit qu'ils s'en battent les... Ils envoient tout. Tout passe, voilà. En Thaïlande et tout, il n'y a pas de problème. Vous, peut-être qu'en Europe, le packaging sera différent et qu'ils enlèveront un peu le logo de marque. J'ai trouvé, vous allez pouvoir les trouver, alors sur AliExpress, aujourd'hui, 16,94. Il y a moins 50% et c'est free shipping et c'est TTC. Voilà. Ce qui est là, par contre, ça reste un bon. Bon, moi, le mois dernier, j'ai acheté celle-là. Alors, elles sont, moi, je les trouve trop stylées. Bah, déjà, c'est très confortable pour marcher ici avec la chaleur et tout. Elles sont un peu ouvertes et tout. Vous voyez, elles sont un peu, alors, à cause du fond vert, ça passe pas, mais elles sont un peu jaunes sur le côté et tout. Elles sont plutôt bien. Bon, par contre, 1200 bahts ici, hein, ça fait un bon 30 balles. Donc, j'étais quand même assez étonné de trouver des chaussures qui, certainement qui ressemble, puis on dit ouais mais bon, ils vont changer la marque, ils veulent, je rappelle, vous regardez ma première vidéo, je vous explique un peu l'histoire du A, du double A, du triple A, tout ça, voilà, donc on est sûr que c'est pas les vrais, mais on verra que sur la version asiatique, ils sont un peu lâchés. Alors la première, je voulais voir, la première, je l'ai reçu comme ça, je suis dit, les mecs, ils s'en foutent. Alors vous, encore une fois, en Europe, il se peut que, il y a certaines versions où ils changent un peu le truc ici, et ils mettent un autre logo. Pour éviter, parce que celles-là, elles sont juste folles, quoi. Celles-là, il y a juste le truc dessus. Alors, au niveau de la qualité, si je dois recomparer, par exemple, avec celle que je porte actuellement, voilà, ça, c'est celle que j'ai acheté cher, hein. Qu'on fait cher. Bon, bah, on voit que c'est pas exactement la même conception, ni la même matière. Mais bon, voilà quoi, 30 balles, 7 balles ou 16 euros pour vous. Moi, je les trouve plutôt sympathiques. Alors après, voilà, j'aime bien ce modèle-là. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce modèle-là. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut trouver un peu moins cher? Encore une fois, on est consciencieux ou pas, mais voilà. Ça reste des chaussures qui sont très confortables à porter et ça permet d'en avoir. Alors moi, c'était 7 euros. TTC livré, tout ça. Donc voilà, après vous, 16 euros, 17 euros, vous me direz TTC livré, ça m'intéresse. Et puis, bah, parce que je suis une victime, comme tout le monde, hein, j'ai acheté deux paires. Bah non, parce que t'achètes une paire, après ils te donnent des points, machin, ils te disent que de toute façon c'est free shipping, mais voilà, t'as qu'à faire, autant en commander deux. Parce que deux, c'est mieux. Et la deuxième pour un euro de plus. Non, pas du tout, c'était simple ça. Donc là, pareil, on retrouve tout le bins. Ça, je l'avais déjà ouvert, voilà. Là, celui-là, ils vont loin quand même dans la plaisanterie, dirons-nous. Voilà, donc là, ah oui, il y a quoi? Il y a un bout de plastique et tout. Ça doit pas leur coûter grand-chose à faire, hein, voilà. Donc ça, c'est les mêmes en gris. Pourquoi les prendre en gris? Puisque moi, j'ai payé 7 balles, et que les deux, ça fait 14 balles. Et que voilà, 14 balles TTC. Vous en aurez qu'une paire pour 17. Voilà, donc après, vous pouvez grouper. En disant, si une passe, les deux passent. Moi, je les trouve très sympathiques, très très propres. Au niveau du confort, ça se tient. Elles sont un peu plus rigides. Elles sont un peu plus rigides que celles que j'ai achetées. Mais c'est vrai que celles que j'ai achetées, ça fait longtemps que je les porte. Donc peut-être que après, on va dire que la mousse, elle s'affaiblit un peu. Mais je trouve que les produits sont vraiment bien. Encore une fois, sous réserve, vous, comme c'est pour l'Europe, vous allez payer TTC. Donc c'est 17 euros. Là, le vendeur que je vous ai mis à free shipping. Et on voit bien qu'en fonction de si tu te mets, en fonction du pays où tu mets, t'auras peut-être pas la même version, vous aurez peut-être une version comme ça avec un rond, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas un crocodile, ils ont mis un rond avec un autre truc, il se peut que vous ayez pas exactement la marque pareille, parce qu'à cause des douanes, tout ça, et qu'on ait la même chaussure mais qu'il n'y ait pas les marques dessus, ou alors s'il y a les marques et qu'ils sont revendeurs officiels, tant mieux, et s'ils le sont pas, ils vous mettront un autre truc et ça reste que des chaussures hommage, comme on a vu un peu avec les bons. Voilà. Bah ouais, forcément, ouais. Ouais, bon, la taille, c'est toujours 10, c'est toujours bien, toujours, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des chaussures. Est-ce que pour vous, c'est l'affaire du siècle? Est-ce que vous allez commander vous aussi vos chaussures sur AliExpress? Le lien est dans la description. Dites-moi tout ça en commentaire. T'as aimé la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? Pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo? C'est-à-dire que le débat, tu dis oui, je voulais pas. Et qu'en fait, t'es en train de cliquer sur le lien pour acheter des paires de chaussures. Donc là, on est dans le cas où t'as pas aimé. Mais bon, voilà, après, c'est la vie. Tu mets un commentaire, un pouce en l'air, un pouce en bas. Tu t'abonnes pour ne rien louper. Je rappelle, alors la semaine prochaine, on attaque les casques. Je vais commencer par les Lenovo. J'ai 4 casques Lenovo à induction, dont le premier où ils ont menti.
Mais ils ont menti, mais ça va. C'était mieux, en fait, qu'ils aient menti. Voilà, bon, on en parlera dans les 4 casques Lenovo, et après, on fera un top 4 des casques Lenovo par induction de 15 euros à moins de 50 euros. C'est du Lenovo, c'est du conduction osseuse, plutôt pas mal. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Rendez-vous semaine prochaine sur GLG Vidéo. Je vous rappelle, tous les tipeurs également, vous pouvez me suivre sur Tipeee. Ça coûte 1 euro par mois et vous recevez toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde sur les 3 chaînes. GLG Review, GLG Vidéo et WTS. C'est bien que tu en as des promos comme ça où les quantités sont un peu limitées. Tu les reçois avant, tu es le premier à dégainer. Ça permet de soutenir un peu l'aventure et de recevoir les vidéos, encore une fois, 24 heures avant tout le monde. Je t'envoie des news, tout ça, tout ça. Des petits mots d'amour. Allez, merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je te souhaite à tous une bonne journée. Une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. À bientôt.